connaissez déjà comment ça passait. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui un entre nous deux pas mal spécial hein, puisque l'on traite de maladie mentale. Oui certain, notre invité c'est un gars qui déguise en femme, comme on dit entre hommes, un hostie de travail. Ben oui, hey, on est des hommes. Hey, on est des hommes. Des hommes. Troisième homme. Ah ouais, qu'est-ce que c'est, Brett? Est-ce que j'ai d'autres choses à faire que de perdre mon temps dans votre hostie chaud plate? Denis, il y a un clown qui parle, j'aime pas ça. Ben oui. Denis, il y a un clown. Denis, c'est pas un clown, voyons donc! Mesdames et messieurs, c'est notre invité, Mado Laplante! Oh yeah, bon petit morceau. Hey! Ça. Hey, c'est une fille, dis pas beau morceau, on dit belle Marcel. Viens donc, viens donc t'asseoir, hein, mesdames et messieurs, okay. Mado Laplante! Hey! La motte, mon nom, bâtard, sans plus d'avoir une face de castor écrasé sur le bord de l'autoroute, t'es pas plus bête que ça? Ben, ça écoute, mal. Fais-toi ça pas avec ça, ma doudoune. T'as bien raison, je suis pas si bright que ça. Ah, t'es bien dégueulasse. Ça te l'air d'une grosse baleine échouée sur le bord d'un bain tourbillon dans un sauna. Hey, tu dis ça, le sauna, maintenant, là, dans un sauna, moi, il y a 5-6 ans, ben oui, il m'appelait le vilebrequin. Ouais, oui, tu me dis de quoi, je reconnais ça, cette petite queue-là. Alors, toi, ma belle monsieur, madame poupée Barbie, hein? Moi, j'ai une petite question pour amorcer ton entrevue comme ça. Une petite question un peu niaiseuse, hein? On s'entend, c'est une question légère, un peu nounoune, là, mais toi, je te regarde, là, à quel moment de ta vie que t'as pensé au suicide? T'es-tu folle, toi? J'ai jamais pensé à me suicider. Oh, ben non, je m'excuse, hein? C'était pas une question que j'avais préparée pour toi, ça. C'était une question pour Normand. Hey, c'est vrai qu'il ferait une belle femme là avec. Oui, hein? Puis j'y ferais passer une petite veillée d'un club de drag queen, là, puis ça y enlèverait toutes ses idées de suicide. Hey, mais je te le dis avec Mado depuis tantôt. Moi, t'as le dire. J'ai pas peur de le dire, moi, t'as le dire. Moi, t'as le dire, moi, j'aimerais ça être comme toi. Si j'en refoule ça en dedans de ta couple d'années. Bon, attends, il y a du chemin à faire. Comment ça, le chemin de fer? Il me tire de chemin de fer, si. On n'est pas, on prend toujours un train, ici. Hey, le gros malade barbu, calme-toi une heure, si. Tu m'invites dans ton show plat, puis tu ris de moi. Wow. Sais-tu que moi, t'es dans mon quartier, ici? Ouais. Puis là, je suis sif, là. Ils sont 5000 à se garocher sur toi, pas de gruger le bat de force. Voyons. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Chris, tu m'as les applaudis. Il est peurant, ça, Chris. Bon, ben, coudonc, y a un malaise sur le plateau, fait qu'on passe à une pause publicitaire. Wow! Et voilà, hey, ça donne le goût de s'acheter une paire de jeans, hein? Hey, mais on retourne à ton entrevue. Une petite question pour toi, le McDo. Hey, wow, traite-moi pas comme la scrap, là. Ben, je suis pas si nocive pour la santé que ça. OK. Mado, hein? Ah. Moi, dans ton entrevue, il y avait une question qui m'intéressait bien gros. C'est, tais-toi ton nom, Mado, là. Mm-hmm. C'est comme peut-être un clin d'œil à Madonna, ça, mais la motte. C'est quoi, c'est un clin d'œil à Willy Lamotte, ça? Ben bizarre, c'est comme mix, imagine, là. Mille après mille, je m'ennuie! Mille après mille, je m'ennuie! Ah, c'est si fucked up à ta mesure, ça, cette grand slot multicolore! Non. Denis, franchement, là! T'es bien méchant, toi! Ouais, c'est un peu méchant, je m'excuse. Je voulais pas aller si loin, cette petite connasse. Non! Alors, Denis! Non, excuse-moi, je suis nerveux, parce que moi, t'as le dire, là, je veux que tu fasses de moi une vraie femme. Fais de moi une femme, ma douce. Bon, oui, pogne-moi à ma marmotte, là. Ah, ben oui. Bon, amenez-moi mon make-up, là, une chapeau de ma tante, puis une robe de guédouine, si on va y arranger à la fin. Oh oui, t'as oui. Let's go. Tiens, une belle perruque lila, une robe de princesse puis une bouche de suceuse. Thanks. Ben voyons, donc, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là, ouais. Denis, franchement? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller en région faire nos spectacles? Ben le monde s'ajustera, Chris. C'est rendu voilà. Ça, Denis Barbu, à cette heure. Bon, OK. Ça, d'abord. C'est bien! Ben oui, rajoute-en pas, là, mais quand même, j'adore ça. Puis c'est quoi le nom de cette belle fille-là? Denise Bombardeuse. Ouais. Alors ça, Denis. Hey, j'aime ça. Ben, hey, à cette heure que tout le monde est heureuse, hein, ben, on va tous danser sur une belle chanson de Mado. Puis on danse tout autour de notre sacoche. Et voilà! Hey, revenez-nous la prochaine fois pour un nouveau Entre nous deux. Puis je serai pas là.